Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en extérieur. J'ai quitté ma gaming room, forcément il fait beau donc on en profite, je vous montre un peu. Voilà donc je suis avec vous pour vous présenter le phénomène Pokémon Go. Pokémon Go c'est quoi? La même chose que sur Game Boy, la version rouge, jaune, etc. Le but est de capturer les 150 Pokémon, sachant que pour l'instant on n'a que 146 Pokémon attrapables, donc c'est à dire que les 3 oiseaux légendaires, Articodin, Stufura et Lector sont pas disponibles, ainsi que Mewtwo et Mew, je n'ai aucune idée. Donc on commence niveau 1, et le but pour monter chaque niveau c'est d'attraper des Pokémon plus ou moins bien, c'est à dire que si on a un beau lancé on va avoir d'XP en plus, donc à hauteur de 100 par Pokémon attrapé. Il y a aussi des Pokéstops qui permettent à des points stratégiques dans la ville de récupérer des Pokéballs, des baies, des potions, des encens, etc. etc. Bon, je pense que vous connaissez tout ce qui se passe comme ça. Et en fait, le but justement avec tout ça, c'est d'attraper des Pokémon en parcourant la ville à la recherche justement des Pokémon les plus rares. Sachant qu'au début, vous avez trouvé beaucoup de Rookools, de Rattata, Piafabec, etc. etc. Donc à savoir qu'on peut les faire évoluer. Donc plus vous allez attraper de même Pokémon, par exemple Rookool, pour son évolution Rookool, puisqu'il vous faut 25 bonbons, chaque Rookool attrapé égale 3 bonbons. Et si vous l'envoyez, vous avez un bonbon. Donc en gros, vous voyez, il vous faut à peu près, on va dire, 30 Rookool pour avoir un Rookarnage. Pour les Pokémon plus les différents, il faudra, par exemple, si on parle Spectrum, pour avoir Ectoplasma, il faudra 100 bonbons. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Pareil pour Léviator, Léviator c'est 400 bonbons, donc en gros il faut attraper au moins 100 Magikarp. Donc ensuite on peut parler d'arènes, donc dans chaque ville il y a plusieurs arènes qu'il faudra défendre, combattre, pour y placer son meilleur Pokémon et essayer d'y rester le plus longtemps possible en ayant le Pokémon avec le plus de PV. Je suis pas convaincu des arènes, parce qu'en fait je trouve le combat assez simpliste, où il faut juste tapoter sur son écran pour lancer les attaques. Donc là on perd un peu l'engouement de, comment dire, du jeu Pokémon, où il fallait choisir son attaque, contrer un peu chaque attaque de chaque Pokémon par rapport au type, feu, tout ça, etc. Là il n'y a vraiment plus d'interaction, donc c'est un peu le bémol, mais après ça fait sortir les gens, donc ça forcément c'est un plus pour tout le monde. Vous avez donc accès à votre Pokédex pour justement voir un peu l'avancée de votre chasse au Pokémon, donc avec les attrapés et les vues. Ensuite vous pouvez voir le nombre de Pokémon que vous avez attrapé, donc pour chaque Pokémon. Ça c'est pas mal aussi si vous voulez justement avoir une idée un peu de ce qui vous en manque, etc. etc. Votre sac à dos justement où vous avez tous vos Pokéballs, vos encens, et plus vous montez niveau justement plus vous avez des Pokémon, des Pokéballs pardon, qui sont puissantes. Donc Pokéball, Super Ball. Et après je sais pas encore, du coup je suis pas assez au niveau pour vous en parler. Bon j'ai quitté parce que sinon je vais jamais l'attraper. Je serai petit, c'est vrai que c'est assez compliqué à attraper alors qu'il était très faible au niveau. De toute façon sur la vidéo il y aura justement mon téléphone qui vous montrera un peu mon parcours, même s'il n'y a aucun Pokéstop ici, puisqu'on est dans les champs, donc il n'y a vraiment rien, juste une belle vue, c'est tout ce qu'il y a à voir. Et donc pour l'instant je suis niveau 10, donc j'ai pas fait grand chose. C'est vrai que je n'ai pas joué beaucoup. C'est vrai qu'il faut bouger pas mal. Ah oui, je vous ai oublié de vous dire, donc dans vos Pokémon vous avez accès justement aux œufs. C'est quoi les œufs? Dans les Pokéstops vous pouvez justement avoir des œufs avec ça peut aller de 2 km à 10 km. Donc en gros pour faire éclore un œuf il faut que vous marchiez 2 km, 5 ou 10 km. Pour pouvoir accéder à avoir un Pokémon plus ou moins rare, sachant que dans les 2 km c'est souvent des Rookool, Rattata. Là pour info, 5 km j'ai eu Mister, ce qui est pas terrible, Doduo. Après je sais pas, je sais que dans les 10 km on peut avoir Magmar, un sécateur, etc. etc. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais c'est des Pokémon qui sont plutôt rares à avoir. Après ça dépend où vous habitez, toujours pareil. Je sais que moi j'ai eu un Leclas et un Lamantine dans des grandes villes, après ça reste un peu aléatoire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour.
Après, c'est à vous de juger un peu, à vous de sortir, à vous d'attraper des Pokémon, de avoir un Pokédex assez complet. Mon Pokédex, c'est pas très très rempli, 41 attrapés, 41 vues. Après, c'est beaucoup d'évolution, forcément, c'est pas facile, facile. Donc voilà. C'est pas facile de parler en même temps que d'aller sur son téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et nous, on se retrouve la prochaine fois pour vous parler d'Overwatch.